La nuit est en train de tomber et Scary Crazy Baby est actuellement dans notre grenier. Scary Crazy Baby, c'est un bébé effrayant, un bébé tueur. Comme vous pouvez le voir, dans ma villa, j'ai installé des caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance un petit peu partout dans la villa. Et regardez sur la caméra numéro 17 qui correspond à la caméra située dans mon grenier. Voilà, on peut apercevoir Scary Crazy Baby. Alors il est caché derrière les lianes. Je vais attendre qu'il se décale un petit peu pour voir si on le voit mieux. Alors on le voit, regardez, très légèrement. Il est caché. Oh, regardez, regardez, regardez. On le voit bouger légèrement. Voilà, on voit sa petite tête. Il est bien caché. Ok, regardez, regardez-le. Là on le voit clairement. Voilà, on va activer le mode nocturne. Voilà, de la caméra. Regardez, on le voit. Donc là voilà, il est actuellement dans notre grenier. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, vous connaissez un petit peu les spécialités de ce monstre. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a quelque chose qui est très étrange, plus étrange que les autres jours. Alors quelles sont les particularités? Eh bien vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, eh bien regarde, il y a un petit message pour toi juste ici. Abonnez-vous. Voilà, abonne-toi, active la cloche de notification. Regardez, c'est Spider-Man qui vous le dit. C'est Spider-Man qui vous le dit. Bah en vrai, je pourrais changer de pancarte, mais vu que forcément, bah si les gens ils sont pas encore abonnés à ma chaîne, c'est qu'ils ont jamais vu cette pancarte. Donc ça reste original pour eux. Bah ouais, mais bon. Voilà. Ouais, abonnez-vous. Bon, je dis rien, y a un bon activez argument. La cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos et notamment sur cette énigme, voilà, de Scary Crazy Baby qui est de plus en plus mystérieuse. Du coup là vraiment l'objectif du jour, étant donné qu'il est chez nous, il est dans notre maison, et bien c'est de capturer Scary Crazy Baby et de le buter, de tenter de l'éliminer en gros. Même pas forcément de le capturer serait le must. Voilà, on a un endroit pour simplement le contenir. Mais vraiment l'éliminer aujourd'hui, et du coup on va essayer d'établir une tactique, un plan pour éliminer Scary Crazy Baby. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Koba? Mais t'as pas peur qu'il nous refasse des pensées comme dans l'une des dernières vidéos? Des pensées? Ouais, tu sais, il nous avait envoyé dans un genre de labyrinthe bizarre là. Ah, comme les arcanes lunaires là. Ah oui, quand il nous avait. Ah oui, ok. Ouais, je vois de quoi tu parles, les backrooms. Ouais. Ouais, qui nous ramène dans des backrooms. D'ailleurs, les backrooms, je m'y connais bien là-dessus. Bah, et on encore, vous avez de la chance, hein, parce qu'il y a plein d'entités à l'intérieur. Bah ouais, on a de la chance. Bah, on a été transformé. Après, transporté la dernière fois dedans, tout simplement par Scary Crazy Baby. Mais je pense que voilà, c'était plutôt dans sa tête. Tu vois, ça a duré vraiment très peu de temps. Un peu comme les arcanes lunaires dans Naruto. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Bref, sans plus tarder, voilà, on vous parle de beaucoup de choses que vous ne connaissez pas forcément. Du coup, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire comment éliminer Scary Crazy Baby aujourd'hui. Déjà, on va regarder. Alors, si j'ai toujours. Dans le grenier. Oui, vas-y, attends monsieur YouTube, je regarde, c'est toujours dans le grenier. Ok, pas de problème. Ok, il est toujours là, regardez-le. Voilà, il est de dos. Ok, du coup ce qu'on pourrait faire déjà, c'est se rendre à la DF35 Foundation, qui est une base secrète dans laquelle on va pouvoir établir un plan simplement pour attaquer Scary Crazy Baby. Déjà, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un de vous a des blocs d'obsidienne ou des blocs, ouais. Voilà, très solides. Ok, on a, parfois on a Jack qui en a pas mal. Donc là voilà, je suis entouré de plein d'amis. Vas-y, envoie-moi tous les blocs d'obsidienne. Let's go. Moi j'ai un blou, si tu veux. Let's go, let's go. Attendez, attendez. Un bloc qui pourrait être très utile. Ce qu'on va faire, attendez, par contre là il va falloir être extrêmement silencieux. À partir de maintenant vous êtes silencieux. Ce que je vais faire les abonnés, c'est que je vais piéger Scary Crazy Baby à l'intérieur du grenier. Du coup voilà, on va aller déposer les blocs là-haut. Let's go, hop, regardez. Alors là faut pas faire de bruit. Chut, personne ne fait de bruit. Chut, pourquoi vous êtes monté à autant? Chut, y'a pas besoin d'être autant. Chut, chut, on fait pas de bruit. Ça va mec. On fait pas de bruit, on fait pas de bruit. On ferme, on ferme. Voilà, voilà. Et là Scary Crazy Baby, on va vérifier s'il est toujours dans le grenier, si on l'a bien capturé. Ok, il est toujours là, il a observé. Il a clairement observé l'obsidienne qui vient d'être posée sous ses pieds. Ok, ok, laissez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Ok, c'est bon, maintenant on va redescendre, on va aller à la DF. Je vais expliquer mon idée, Diabolo. On va aller à la DF, vas-y, tu vas nous expliquer ça à la DF. Du coup les abonnés, il est toujours contenu dans le grenier. Par contre il a clairement vu qu'on l'avait enfermé dans le grenier. Faut faire très attention, on sait qu'il est extrêmement malin. Du coup voilà, va falloir faire très attention. Alors la DF35 Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base ultra secrète dans laquelle on peut enfermer plein de monstres, etc. Et c'est notre objectif aujourd'hui, c'est d'enfermer Scary Crazy Baby dans une des cuves que vous allez voir très vite. Let's go, on descend, on descend, on descend. C'est parti, c'est parti. Hop. Ouais, il est rapide. Et là, regardez, voilà, c'est notre QG, c'est là où on enferme des monstres. Et notre but, voilà, c'est d'enfermer aujourd'hui Scary Crazy Baby ici. Et sinon, si on n'y arrive pas, et bien il faudra l'éliminer, puisqu'il devient de plus en plus dangereux. Du coup, monsieur YouTube, maintenant qu'on est là, tu vas pouvoir nous parler du plan. Et regardez, il y a un petit rappel pour ceux qui sont pas encore abonnés. Ouais, abonnez-vous. C'est ma cuve, ça. Let's go. Alors, let's go, vas-y, vas-y, parle-nous un petit peu de ton idée, monsieur YouTube. Alors, viens, alors j'en ai qu'un. Donc, viens, viens, suis-moi. Vas-y, vas-y. Faudra que tu ouvres. Tabarnak. Alors tiens, prends ça. Alors c'est un lanceur d'étoiles et il va être ultra utile, tu vas voir. Ok. Je le fais quoi? Je tire. Alors, je tire. Alors en fait, tu vas devoir le placer dans un de tes slots d'inventaire. Donc okay. dans le F12. Ouais. Ok. 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 Là c'est bon, je l'ai dans le muscle F12. C'est bon. Ouais. Un peu comme dans GTA, ouais. Ouais. Ok. Et ensuite, je fais quoi? Je fais X. Et ouais. Et ensuite, normalement X. Et avec ton bouton, t'as un panel. Et avec ce, enfin, tu pourras configurer du coup ta toile d'araignée. Ok. Web grenade, impact web, taser web, swing web, pull web. C'est quoi le que je dois utiliser? Alors le mieux déjà pour paralyser SC Baby, c'est web grenade. Ok, attends, je peux l'essayer là? Ouais, je peux l'essayer. Ça a l'air trop bien. Ouais, vas-y, essaye. Et là ensuite je fais quoi?
Ok, ok, c'est ça. Regarde, okay. On va dedans. Ah oui, ok. Et là, normalement, on est ralenti. Ah oui, ok, dedans, vous êtes ralenti, genre. Ok, ok. Ouais. Là, vous êtes ralenti. Ou utilise Paul Web, je crois que c'est celui-ci qui fonctionne. Ok, ok, vas-y. Ok, les abonnés, du coup, j'ai activé un nouveau pouvoir. Ah oui, ok, et là je te tiens. Ok, ok, stylé. Ok, donc là en fait je fais des toiles et ça permet de te maintenir. Ok, stylé. Vas-y, coupe les toiles par contre, parce que là je suis coincé. En fait, t'as juste à taper en fait. Tu tapes comme si tu frappais quelqu'un. Ok, 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 carré. Et du coup, comme ça je pourrais l'attacher, Skyrim Crazy Baby, c'est ça? C'est ça. Après, le problème de Skyrim Crazy Baby, les abonnés, et il faut que vous le sachiez, c'est qu'il pose de l'eau. De toute façon, on le verra très rapidement, mais il pose de l'eau et après il essaie de brancher du matériel électrique dans ses taux pour vous électrocuter. Et au pire, tu pourras toujours utiliser les toiles taser. Ok, bah alors par contre, du coup, ce que je vais demander, et là on va passer aux choses sérieuses, clairement les abonnés, c'est que tout le monde prenne une tenue de SWAT. Alors je sais pas si on en a, bah si, on en a forcément ici. Donc là on va distribuer des tenues de SWAT à tout le monde, des armes à tout le monde, et on va faire cette opération militaire contre Skyrim. T'as des tailles enfants? Si, si, y'en a plein, détails enfants, je sais pas si y'en a par contre, on va vérifier ça. Bon, on va pas se le cacher, mais moi je suis petit par rapport à toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, les abonnés, je vais trouver ça pour tout le monde. Ok, je viens encore de trouver un fusil, personne n'a besoin de fusil, j'ai aussi pas mal de munitions. Alors du coup, les abonnés, on s'est équipé d'armure de diamant, parce que comme ça, voilà, tout le monde a sa taille et c'est plus pratique. Donc regardez, je suis en armure de diamant, on a nos armes, etc. J'ai mon fusil d'assaut. Et là, du coup, on a établi une stratégie. Alors, une stratégie, c'est quoi? Et en plus, t'as l'étoile d'araignée. Ouais, j'ai l'étoile d'araignée, j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, la stratégie, elle est très simple. Comme vous le savez, il est coincé dans le grenier. On va d'ailleurs vérifier s'il est toujours là. Il est toujours là, effectivement, il est toujours dans le grenier. Faudra d'ailleurs qu'on fasse vraiment attention. Mais en gros, comment on va s'infiltrer dans ce grenier? Eh bien, c'est très simple. Déjà, est-ce que vous avez pris genre les haches et les pioches? C'est bon? Vous avez tous des haches et des pioches? Ouais, j'ai des pioches. Ouais, j'en ai. Ok, c'est carré. Ils les ont. Du coup, Diabolo, en fait, t'as vu ce que j'ai dans le dos ou pas? Par le toit du grenier. Ouais, j'ai vu. T'as le bouclier de Captain America. Il est grave stylé. Et bah, écoute, là, je vais te l'équiper parce qu'il va être utile pour te protéger. En fait, Monsieur YouTube, c'est Spider-Man. Oh, nice. En gros, Monsieur YouTube, c'est Spider-Man. Et du coup, bah, il a pas mal de contacts. Mais du coup, ok, carré. Je vais pouvoir avoir le bouclier de Captain America. Ok. Je le laisse sur moi. Ah non, attendez, faut que je le mette. Du coup, c'est bon, je suis équipé du bouclier de Captain America. Du coup, la mission, voilà, on l'a établi, elle est très simple. On va simplement passer par le toit. Il va falloir faire extrêmement attention d'être très discret pour pas que Skyrim Crazy Baby nous repère et commence à tenter des dingueries. Donc là, l'objectif, c'est de rendre déjà qu'on l'attaque sur le toit. Bah, il sait pas en vrai, il sait pas. Juste là pour l'instant, il a vu qu'on l'avait coincé. Sait qu'on l'a enfermé. Ouais, mais en vrai, il sait pas plus que ça, tu vois. Donc là, si on est discret et qu'on passe par le toit, on peut le surprendre encore. Il va falloir faire extrêmement attention. Mais voilà, on est en grande mission, les abonnés. Et d'ailleurs, quand ça sur le toit, évitez de tirer. Mais alors, Léo, tu vas peut-être rester ici. Gaspillez pas vos munitions, quoi. Léo, il va rester ici parce que je sens qu'il va faire foirer la mission, lui. Hein. En plus, ils gaspillent leurs munitions, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Etc. Donc, les jeunes de nos jours. Donc là, on va devoir grimper sur le toit. Donc là, il va falloir que simplement. Qui c'est qui les bloque? Qui c'est qui les bloque? Non, qui c'est qui les bloque? Qu'il les pose et qu'on les pose sur le toit. J'en ai, t'inquiète. Ok, la torche aussi, ceux qui puissent mettre des torches pour qu'on voit un petit peu mieux. Des blocs pour monter comme ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Let's go. Et moi, j'ai pas ce problème, j'ai pris le marteau de Thor. Ok, c'est bon. Alors, vas-y. Diabolo! On monte tranquillement. Ok. Je peux te présenter un truc qui est mieux que les torches? Attends, faut commencer à être discret, mais vous êtes pas possible, vous deux. Petit jump. Tac. Et pendant Diabolo, il y a quelque chose à prévoir. Attends. Faut espérer qu'il ait pas rempli le grenier d'eau. Parce que là, on est dans la merde sinon. Non, parce que justement, on va arriver par le haut. On a justement prévu cette possibilité là pour ça. Ok, attends, hop. Arrêtez. Chacun son tour là, c'est pas possible. Oh, je vais parler moins fort en plus. C'est insupportable. Alors vraiment, Jack, t'as pris les blocs les plus moches qui étaient possibles. Hein. Vraiment. Moi, j'ai de la pierre. Moi, j'ai de la pierre. Tu pouvais pas faire. Hein. L'autre, il a pris de l'herbe. C'est les moins chers. De chez le roi Merlin, mon ref. De l'herbe. L'économie, t'inquiète. Alors par contre, là, on va être extrêmement discret. Poser quelques torches, j'espère qu'on voit bien. Ok. Les torches sont posées, on a une meilleure visibilité maintenant du toit. J'ai entendu des seaux d'eau. Okay. J'entends le couler aussi. Peut-être que Skyrim Crazy Baby est au courant qu'on est là. Je vais regarder la caméra numéro 17, les abonnés. Oh, ok, il a rempli d'eau, il est au niveau du coup de là où il y a l'obsidienne. Donc si on s'en suit, normalement il doit être par là. Il doit être par là, en gros nous on va commencer à casser par là. Monsieur YouTube, c'est parti, vas-y viens ici. Ok, on voit. Diabolo. On voit. Non, il est juste. Diabolo, j'ai une idée. Ferme. Je me suis fail. Je me suis inversé. Il faut qu'on soit là-bas. Diabolo. Attends, il nous a pas vu. Attends, je regarde. Caméra 17. Ok, il est là. Ok, du coup, il est là. Diabolo, prends ça. Regarde, j'en ai que 4, mais prends. Vas-y, file. Tiens, une éponge, mec. Ok, ça bien vu de ouf, ok. J'ai les éponges, ok. T'es intelligent, toi. Ok, alors là maintenant il va falloir mettre en place la stratégie vraiment efficace. Comment est-ce qu'on va procéder? Il faut que j'essaie de le choper avec l'étoile, il va essayer de poser de l'eau, etc. On va faire extrêmement attention, ok. Ouais, allez. Faut que tu prennes la Apple Web. Est-ce que vous êtes prêt? D'ailleurs, ce que je disais qui était extrêmement bizarre tout à l'heure, c'est que d'habitude, Skyrim Crazy Baby se sert d'un réceptacle, ça veut dire d'un corps simplement étranger, pour tout simplement vivre à l'intérieur. Donc là, quelle est la personne qui était là en ce début de vidéo et qui sert de réceptacle actuellement à Skyrim Crazy Baby? D'habitude, c'est Léo. Mais là, il devait y avoir quelqu'un en fait. On n'a pas vu et qui doit servir de réceptacle à Skyrim Crazy Baby. Bref, est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes prêts? Je vérifie où est-ce qu'il est. Ok, il est plutôt au milieu. Il arrive vers l'endroit où on est. Je surveille vraiment dès qu'il revient vers l'obsidienne. Eh bien, on va attaquer à ce moment-là. Ok, il revient vers l'obsidienne. Ok, ok, c'est bon. Casse. Je prépare les éponges. Monsieur Tube, casse. Ok, vas-y, j'y vais. Vas-y, dépose les éponges. Ok, c'est parti. Par contre, l'eau coule toujours. On dépose les éponges. Ok, il est juste ici. Ok, tirez dessus. Oh, c'est bon. Tenez-le à distance. Ok. Je vais essayer de le choper maintenant. Aïe, l'eau électrique, elle est au niveau de l'eau. Attention. Ok, attention. Ok, il va falloir se replier. Oui. Attention à l'eau. Ok, remontez. C'est bon, je lui ai tiré de la toile. Tu lui as tiré de la toile? Il est coincé? Ouais, il est un peu coincé. Ok, attendez, j'en remonte. Remontez. C'est dangereux. Ok. Les abonnés, c'est beaucoup plus compliqué que prévu de l'attaquer. Je vais poser de l'eau. Ok, il faut faire vraiment attention. Bon, on a plus d'éponge quoi. En vrai, je pense qu'on va faire un truc. Quelqu'un a de la TNT? Ouais. T'as de la TNT toi, Jack? Ok. Ouais. On va regarder où il est. Hop, 17. Fais attention monsieur YouTube. Ok, il est plus au centre. Il est par là. Fais-en deux ou trois. Ok, ouais, t'es équipé de fou toi. Attends. Ouais. Hop. On va enlever ça. Monsieur YouTube sort. Ok, hop là. Ça va faire bouble. Sur les dalles, ça va pas marcher. Hop. Et vous êtes malade. Je pense que ça va pas fonctionner. Il a raison, monsieur YouTube, ça marche pas beaucoup. On va quand même essayer. Ça va exploser tout ce qu'il y a à côté. Éloignez-vous. Barrez-vous, ça va pas faire grand chose. Regarde, c'est ça sur les dalles, ça casse rien du tout. Ça fait quand même une petite ouverture, c'est ce que je voulais, c'est une petite ouverture. Comme ça on a un visuel sur lui, où est-ce qu'il est maintenant? Il est juste là, fais attention, mais qui c'est? Monsieur Tube, il est descendu dans l'eau. Fais attention. Ok, il a pas eu le temps de placer. Reviens par là, Jack, il y a l'échelle, Il est placé un dentier dans l'eau, Fais attention, sortez. Oh, t'es à deux doigts de mourir, Léo. Arrêtez de descendre dans le trou, c'est pas possible. Les abonnés, c'est très compliqué. J'ai eu un petit choc. J'essaie de jouer à son jeu, je vais l'électrocuter. Non mais lui il est pas sensible à ça. Ok, attends, j'essaie de le choper. Il a un beau crâne. Ok, c'est impossible de le choper. Les abonnés, j'ai changé d'arme, le problème c'est qu'il faut une petite grosse ouverture. Ok, let's go. Ok, c'est bon, j'ai envoyé dedans. Ok, faites attention. Oh, il est ralenti. Ça en met un peu partout par contre, je suis désolé. Faites attention, il est ralenti. Le problème c'est que vraiment il est pas sensible aux armes. On le tire dessus, ça lui fait rien du tout. Et en plus, le pire c'est qu'il. Bah attends, j'essaie un truc. Éloignez-vous. Vas-y. Sinon, ce qu'on fait, refile de la TNT. Attends, non, qu'est-ce que j'en ai? Attends, refile-en. Jack, refile-en. Tiens. Refile de la TNT. Ok, let's go. Regardez ce qu'on va faire. Je reprends des blocs. Attendez. Hop, let's go. Ok, éloignez-vous. Ok, let's go. On balance ça en bas. Hop, c'est bon. Regardez, attention, il est juste en face. Ok. Ah, voilà, là où il a fait des dégâts. Là où il a fait la maison. Let's go, attention, éponge. Ok, attention, monsieur YouTube. Je mets juste de l'éponge. Ok, on l'a fait tomber. Y'a de l'eau, ça va pas faire de dégâts, y'a de l'eau. On l'a fait tomber en dessous, ouais, c'est parfait. Ok, on l'a fait tomber en dessous. Hop, on va redescendre. Ok. Il est dans la maison. Ok, je vais essayer de surveiller sur les autres caméras du coup. On peut essayer de descendre par là, moi j'essaie de descendre. J'essaie de voir, caméra 15. Ok, chacun peut boucher l'entrée au pire. Caméra 14. Ok, il est juste ici. Ok, c'est bon, je te vois, monsieur YouTube. Il est juste là. Salut. Ok. Attention à l'eau. Ok, les abonnés, vraiment, la mission est extrêmement compliquée mais extrêmement intéressante aussi. Ok, let's go. On est en train de lui faire des dégâts. Il faut essayer de choper. Essaye de choper. Faut qu'on arrive à le capturer. Oh, les abonnés, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ok, je te vois, il est juste ici. Attention à l'eau. Mettez-vous sur les éponges. Ça peut pas. Hop, let's go. Ok, on est sur les éponges. On l'entoure. Les abonnés, j'ai l'impression que ça lui fait rien du tout. Attends, j'essaie de les éclairer. Oh, attention. Mec, ça l'a un peu paralysé. Ok. Il regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Moi je m'éloigne, je prépare un truc, je sais pas ce qu'il est en train de préparer. Qu'est-ce qu'il fait, oui? Éloignez-vous là. Attention, l'eau. Attention, restez sur. On va se faire électrocuter. Attention. Monsieur, je suis tombé. T'es dans l'eau ou pas? Non, ok, il est passé par où? Non. Oh là, il a explosé la baraque. Il s'est barré. Faites gaffe à l'eau. Il s'est barré. Attends, je le poursuis. Il se barre de la maison. Ok, je suis tombé juste à côté de l'eau, il est en train de se barrer. Ok, il est juste là. Ok, il est en train de se barrer. Faites attention à l'eau. Poursuivez. On est en course face à lui. Ah non, il va vers l'océan. Il se dirige vers l'océan. Non, je suis plus l'avant. Non, n'allez surtout pas dans l'eau. Non, monsieur, fais gaffe. Oh là. Ok, ça sert à rien de mettre des éponges. Ça sert à rien, on est dans l'océan. Il va nous électrocuter dans l'océan. Ça sert à rien de descendre. Ok, c'est barré. Les abonnés, il reste deux questions pour cette vidéo. Qui a été la personne dont s'est servi Scary Crazy Baby pour s'en servir comme réceptacle? En gros, il se sert de la personne pour exister, pour être à l'intérieur en fait de la du personnage. Monsieur YouTube, fais attention, descends pas dans l'eau. Ok, il a disparu, à mon avis. Je pense qu'il a un totem. Il a disparu. Non mais attends. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je vois plus là. Il a disparu. Je vais survoler la mer, je vais voir si je le vois. C'est beaucoup trop dangereux. Bon, les abonnés, je pense que petit à petit on va perdre Scary Crazy Baby. Je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo. J'espère juste que voilà, dans la prochaine vidéo,
on va s'en sortir un petit peu mieux avec lui. Qui nous ramènera pas dans des backrooms. Peut-être qu'il va nous ramener dans des backrooms. Et ce serait vraiment très très flippant. En tout cas, encore plein de questions autour de Scary Crazy Baby. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait Scrimex, Azuro, DK ainsi que Soka. Toutes leurs chaînes sont en description. N'hésitez pas à les checker, leur chaîne en description. Ah si, si, j'ai oublié Dash aussi qui a fait partie de la vidéo. Désolé, désolé Dash. Donc voilà, bye tout le monde. I'm